Allez, on continue au haras de Bouctot pour la tournée des étalons 2022 en partenariat avec Dana Pedigree. Maintenant, vous avez vu Armor tout à l'heure, et ben on va vous présenter un cheval qui a débuté l'an dernier ici même au haras de Bouctot. C'est Romanized, qui était un véritable champion miler sous l'entraînement irlandais de Ken Condon. Et on va écouter ce que nous dit Sébastien Desmontil de Romanized. Excellent performeur, champion miler. Ça va être vraiment un grand plaisir de l'avoir ici au haras de Bouctot comme étalon. Tout à fait, ouais. C'est pas tous les jours qu'on peut rentrer un gagnant classique irlandais. C'était un excellent cheval de course qui a une carrière exemplaire. Il n'a jamais loupé une journée d'entraînement. Donc bon, ça, il faut effectivement féliciter l'entraîneur. Mais c'est certainement qu'il a un très très bon métabolisme qu'on espère qu'il transmettra à sa production. Et il faut noter que c'est un cheval du coup qui a débuté et gagné au mois d'avril de ses 2 ans, qui a couru à Royal Ascot, qui s'est placé au niveau groupe à 2 ans. Avant de s'imposer donc dans le classique dans les 2000 guinées irlandaises et qui a continué, qui s'est toujours endurci, et à 4 ans il a été gagné à Jacques Lemarois, ce qui est assez fabuleux. Donc on a un double gagnant de groupe 1 qui était très précoce, et aujourd'hui on est heureux de l'avoir à un prix qui est pour moi très très bien placé. On peut rappeler de combien il est? Il est affiché à 7000 euros, donc on a un double gagnant de groupe 1 à 7000 euros qui est magnifique. Paroli Roman Emperor, qui est un cheval qui a toujours fait sensation à Hong Kong, qu'on connaît, qui a eu des bons résultats. Et en plus, il est de la famille de Design of Rome, qui a été un grand, grand champion à Hong Kong. Tout de suite, bien soutenu dès sa première saison de monte. Il a saillé 127 juments, si je ne dis pas de bêtises. Et justement, pour les éleveurs cette année, quel conseil tu leur donnerais? Quel type de jument il faudrait amener à Romanize? Aujourd'hui, on n'a pas encore. Enfin, il a ses 2 premiers foals qui sont nés. Bon, clairement c'est un cheval qui va être facile à croiser, il a des bons tissus, il n'est pas trop lourd, il n'est pas trop léger non plus, il est assez harmonieux, il se déplace bien, donc il est capable de tout saillir. En plus il avait effectivement cette vitesse, cette longévité, c'est un miler, donc il peut saillir des juments qui ont eu plus de vitesse que lui, et il peut aussi saillir des juments avec un peu de distance. Il est très complet, c'est pour ça qu'il est facile à utiliser et qu'il a saillé beaucoup de juments en 2021. Un étalon très complet, il faudra penser à celui-là pour cette année de monte. Merci Sébastien.